Et salut tout le monde, c'est MaxCrafter06, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, ou plutôt l'épisode 3 de Captive Minecraft. Donc j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super comme d'hab. Donc aujourd'hui on se retrouve, dans la nuit. Alors j'ai AFK un petit peu, bon, pas trop de temps, parce que j'avais un peu la flemme quand même. Voilà. Bah bon, j'ai pas trop eu le temps d'AFK, donc j'ai AFK vite fait, j'avais envie de reprendre. Donc tant pis, alors ça a continué de pousser, pas énormément. Et on a notre arbre qui a poussé aussi. Du coup, on va le couper et on va en faire pousser un autre. Hop. J'ai cassé une torche, mince. Donc aujourd'hui, objectif diamant, parce que la dernière fois, on n'avait pas pu puisque le Y11 est trop loin. Peut-être qu'en 20 minutes on y arrivera. J'en ai aucune idée. Donc on verra bien. On va casser tout ça. Ah, ce coffre il est encore à... Faudrait que je fasse 1, 2, 3. Faudrait que je fasse 4 objectifs. Ouais, donc ce serait un... Enfin, c'est en fait dans longtemps ce coffre. Hein, parce que 4 objectifs c'est pas facile. Au début ça va vite, mais après... Après ça va aller de plus en plus lentement. Attends, c'est moi. Ah. Ok, j'ai eu une pousse quand même, mais bon, j'ai failli en avoir 0. Hop. Donc c'est parti. Je pense qu'on va aller miner. Ah bah c'est parti hein. C'est parti. Mon casque par contre il est en train de prendre cher. Bon, faudra que je me refasse un... Faudra que je trouve assez de fer pour me faire un stuff. Mais je sais pas si ça très bien de se faire un stuff parce que je sais pas s'il y a énormément de fer en dessous. Donc je sais pas, on verra bien. Ah, un squelette avec un arc enchant. Ah oui, c'est vrai qu'il peut garder son arc chargé lui. Allez, dis-moi qu'il m'ait looté son arc. Non. Ça aurait été un peu trop beau, hein. Hop, donc on va descendre. Parce que j'entends l'autre squelette. Et un zombie aussi, mais là on s'est éloigné. Bon, alors, ah oui, ce coffre aussi qui est assez proche. Alors on continue à descendre. C'est parti. On s'était arrêté à un bloc. Mais c'est encore un squelette. What the fuck, un squelette sans arc. Je vais faire gaffe parce que là j'entends une sorcière quand même. Ils ont changé le bruit de la sorcière, c'est chelou quand même. Hein. Fait des petits rires. Pff, putain, un mass mob. Mais what the fuck? Des squelettes sans arc, mais j'avais jamais vu ça. On va les tuer assez safe. Nous a vu. Les squelettes se tirent dessus, ça c'est bon signe, mais j'ai cru qu'ils allaient faire péter le creeper. Voilà, ça c'est bon. Putain, j'entends ce rire, c'est dégueulasse. Oh, putain, il est là, merde. Ça faut faire super gaffe parce qu'elle peut m'empoisonner. Ok, c'est bon, on s'est cassé. Je sais pas si... Ouf, elle était en train de boire. Elle a bu une potion. Je l'ai butée parce qu'elle était en train de boire des potions. Du coup, je me suis dit que si elle buvait des potions, elle pouvait pas m'en tirer une autre. Ça aurait été pas très logique. Voilà, toi t'es moche. Est-ce qu'il en reste encore? Oui, il en reste encore. Oh putain, c'est un malade lui. Mais d'où il m'a touché? Mais what? Il me touche encore? Putain, il m'a défoncé lui. Bonjour la sorcière. Ouh, c'est du gravier en lévitation ça. Ah, je vais me faire défoncer. Oh putain, la sorcière elle m'a raté. Ah ok, elle s'est mis du poison sur elle toute seule.
Bonsoir. Mais arrête de boire. Voilà. Oh là là, elle est en train de boire tous ses popos. Alors faut qu'on fasse gaffe parce que là vous voyez, il y a du gravier qui est relié ici. Je pense que ça va actualiser ça et que ça va tout faire tomber. Donc au cas où on va faire ça. Ah ok, j'ai plus de torche. Très bien. Il faut du charbon. Parfait, on a juste là. La bordure s'arrête là, mince. Alors, hop, 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 voilà. Du coup, regardez, on va tenter un petit truc. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Quand on allait ouvrir ce coffre, on allait prendre cher. Bon, voilà, on a des torches. On a une boussole, ok, donc je comprends pas trop l'utilité, mais bon. On y trouvera bien une utilité à cette boussole. Alors on va casser tout le gravier. Voilà. Hop, comme ça on en récupère un peu au passage. C'est un peu galère de... Voilà. Voilà, ça nous fait pas mal de gravier maintenant. On va mettre un peu de torche parce qu'ici il y avait masse mob, mais je sais pas comment ça a fait pour spawner tout ça. Parce que je vais reboucher ici. Ici donc on avait notre petit coffre. Ici là, je rebouche. Là donc on peut descendre maintenant. Là on a du charbon que je vais m'empresser de prendre. Ok, ma pioche est morte, c'est pas grave, on avait l'autre que j'ai droppé. Hop. J'entends un bruit. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Genre un petit bruit de respiration chelou. Je sais pas quel mob c'est. Je me passe un mob. Oh, Herobrine. Je rigole. Bref, on va pas partir là-dessus. Je m'en bats les couilles. On va continuer de faire ça. Hop. Voilà, donc maintenant on a masse charbon, on va bouffer un peu, hop, on va prendre le charbon qui est ici, on l'a déjà pris, il y a un coffre juste là mais on peut pas le prendre, donc moi je pense que c'est reparti pour miner, hein. Clairement, hop, donc voilà c'est reparti, hein. Je mine ici, hop, ce sera bien, oh, j'ai cru que c'était du lapis, j'ai commencé à casser. Ça c'est instant. Ça s'est cassé instant, donc j'ai un peu flippé. Attendez, il y a de la TNT ici. Il est pas très net ce coffre. Hein. Il est pas très net, va falloir qu'on fasse gaffe parce que... Bon, j'ai une TNT. Je sais pas trop à quoi me servir, mais il faut qu'on fasse gaffe maintenant en dessous des coffres. À mon avis, je me serais fait défoncer. Hein. Clairement, j'aurais pas du tout vu ça. Et c'est un coup de chance que je me suis mis à creuser en dessous. De la lave. Alors il y a de la lave, je pense qu'on va pas la mouiller, enfin, qu'on va pas la transformer en opsy, parce qu'elle pourrait nous être utile. Donc, on va arriver dans le dessous cette fois. Ok, on regarde en dessous, ces deux coffres qui ont l'air pas piégés, on va les ouvrir du coup. Bonjour. J'adore quand je creuse et que je découvre plein de trucs en fait. Genre là j'ai creusé un fer, j'ai trouvé un coffre, j'ai creusé un autre fer, j'ai trouvé une grotte. Putain. Mais il y a plein de trucs, il y a plein de mobs. Ok, j'ai pas envie d'où il m'a tapé lui, mais... Eh les gens, viendez. Je sais que ça c'est... Oh, un nouveau casque. Un nouveau casque. Bonjour. Bonsoir. Bon alors, lui c'est bon. L'autre, il se ramène. Parfait. Il y en a encore, j'ai l'impression. Ouais, il y en a encore deux là-bas. Bon, en attendant qu'ils se ramènent, on va miner. Hein. Hop. Venez. Alors, on a encore de l'argile. Ça. Ouh, pas mal, pas mal. Alors, franchement, ça, ça va nous servir à faire cuire. Mais à part ça, je crois pas que ça va nous servir à grand-chose. On va acheter un peu de trucs. On va acheter ça. Acheter ça, franchement, je vois pas à quoi ça va me servir. Je vais le garder au cas où, mais... Oh, mais je suis con. C'est ça qui me sert à faire les argiles durcies et tout.
Mais je crois que j'en ai jeté en plus. Mince. J'avais pas fait gaffe. En fait, il faut que je trouve ces blocs. Et j'en ai trouvé pas mal depuis le début, mais j'avais pas compris à quoi ça servait. Si y en a qui avaient compris avant moi, vous avez dû devenir fou, hein. Oh, argile durcie, là, on en amasse. On en amasse. Hop. Hop. S'en prend, on a un CD. Je pense pas que ça va nous servir à grand chose. Bon, vous savez quoi? Fuck. Tous les petits outils là, on s'en balèque. De toute façon, on va bientôt remonter parce qu'on est un peu plein. Ça aurait été con de tomber dans la lave maintenant. Ok. Ah, il y a un petit coffre là-bas. On va aller se le faire. Ah non, on peut pas y aller, c'est vrai. On va aller de l'autre côté de la grotte du coup. Putain, faut que je fasse gaffe. Mais allez, ramène-toi là. J'arrive à les toucher. Coucou! C'est bon, ils arrivent. Les autres, vous venez pas? Non, bon, tant pis. Oh, bah si, ils viennent. Non! Je ne suis pris aucun dégât, je me servais des autres squelettes pour amortir. Ah là là. Hop, donc on va prendre tout ça maintenant qu'on sait. Mais en fait, je suis pas sûr que ça puisse faire de l'argile, hein, mais attendez. Si je fais genre ça. Non, en fait, non, ça sert à rien ça. De l'argile durcie, je vois plus du tout comment je pourrais faire avec ça, mais je crois que ça sert à rien. Je suis presque sûr, hein, mais j'irai vérifier. J'irai vérifier. Alors là, ça a l'air d'être fini pour cet endroit. Je suis bloqué ici, donc là c'est le coin, donc ce coffre c'est mort et ce fer c'est mort aussi. Alors là, je m'arrête ici, donc je vais mettre une torche. Et re tout le monde, on se retrouve. Alors j'ai eu un petit bug. Nous on se retrouve tout de suite. J'ai eu un petit problème, parce que vu que j'ai eu un bug, je suis resté là à AFK pendant pas mal de temps et apparemment il y a pas mal d'amis squelettes qui sont revenus. Et bizarrement, oh, what the fuck? Oh, j'ai eu un arc, nice! Et bizarrement, c'est que des squelettes. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un spawner par ici. Mais je sens que ça va être galère à y aller, vu le nombre de squelettes qu'il y a. Oh, je crois que je vais mettre 1 heure. Bon, vous savez quoi, les gens? Je vais tuer tous ces squelettes et on se retrouvera juste après. Et alors, c'est le moment, donc on se retrouve. Alors j'ai fait un peu n'importe quoi, je pensais qu'il n'y avait plus de squelettes en fait, mais il y en avait encore plein. Ils étaient tous cachés au même endroit, et j'ai bugué. Et du coup, bah, ils m'ont niqué. Mais c'est bizarre, j'ai des petits bugs, c'est des petits freeze, là je viens d'en avoir deux. Ouais bon, je pensais qu'ils étaient tous partis, mais en fait il y en avait encore plein amassés dans un côté. Et du coup, bah, je les ai pas vus et ils m'ont défoncé. Du coup, je me suis fait tuer, c'est pas grave, mon stuff, il est pas tombé dans la lave, donc je m'en fous complètement. Je m'en fous littéralement, complètement, totalement, je m'en fous. Donc, bonjour, je souhaite récupérer mon stuff. Ah, d'accord. Le squelette avait mon épée. Très bien. Bon, je sens que ça va être galère de les buter. Alors, heureusement, j'ai encore ma petite épée. J'espère juste que mon stuff n'est pas tombé dans la lave, ce qui m'a fait pas mal reculer. Donc, je sais pas, on verra bien. De toute façon, il n'y aura pas grand-chose qui sera tombé. Hein, et c'est le jeu, hein, de toute façon. Donc, cette fois, je reviens plus fort. Le squelette avait carrément retiré son arc pour pouvoir prendre mon épée. Pour pouvoir bien m'arracher la gueule. Parce qu'une épée en fer, ça fait quand même mal. En plus, il y a l'autre qui me tirait dessus. Avec un peu de chance, il a tiré sur le squelette et là, ils sont en train de s'entretuer. Ce serait assez cool. Et il a pris mon plastron en or parce qu'il y avait un squelette full or en fait. Et je l'ai tué et j'ai eu son plastron. Allez. Oh non! C'est sérieux! Le petit squelette avec son petit arc qui m'a mis une toute petite flèche et je suis mort. Ah là là, moi bon, je vais prendre ça. Bon, on meurt, mais cette fois ça devrait être bon. J'ai réussi à les tuer, à me mettre dans un coin, mais sérieux, ils m'ont fait super mal. Le petit squelette avec l'épée en fer, déjà je l'ai tué, c'est bon. J'espère juste que l'autre va pas se servir de l'épée. Normalement, je devrais pas avoir tout perdu, j'espère. On regardera, on verra bien. Hein. Hop, on redescend. Je sais pas combien d'épisodes dure, faudra que je regarde. Hop. C'est un peu long de descendre par contre. Hop.
Bonjour, j'espère qu'il n'y a pas eu d'autres squelettes. Salut toi. Salut toi. Hop, je mets le plastron. Je mets une heure à le tuer. Bon, alors, le stuff. Hop, le petit CD. Je sais pas comment il a giclé jusque là, mais bon. Alors, hop, hop, hop. Bonjour. Merde. Il va me buter, lui. Demi-cœur, 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 faut que j'aille bouffer, faut que j'aille bouffer. Tarte à la citrouille. C'est bon. Ok, j'ai l'air d'avoir tout récupéré vu que mon stuff est tout à fait plein. Le truc c'est que je peux pas régénérer mais avec la régène cheatée. Ils ont l'air de tous venir de là, les squelettes. Vite, faut que je bouge. Voilà. Les squelettes, j'ai l'impression qu'ils étaient tous venus de là tout à l'heure. Bon, j'ai eu deux arcs, c'est cool. Hop. Voilà, ça je peux pas récupérer. Ça, il reste mon pseudo. Voilà, donc j'ai bouché par là où ils arrivaient tous. Bon, je suis presque sûr d'avoir récupéré tout mon stuff vu que je suis full. Donc, ouais, ça devrait être bon, hein. Écoutez. Hop, en tout cas, le petit plastron protection contre le feu 1, épine 1, a pris assez cher. J'ai failli remourir. Mais bon, on s'en est sorti. Je pense qu'on va remonter là parce que... Il s'est passé assez de choses pour aujourd'hui. Mais vous voyez, j'entends un truc là. Il y a forcément un spawner juste derrière. C'est obligatoire. Parce que vu le nombre de squelettes qu'il y avait, ça peut pas être dû au hasard. Donc alors, juste, je regarde un petit truc. Alors, normalement, vous devrez pas voir ça, vous. Alors ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui. 13 minutes. 13 minutes, ça nous fait 14 minutes. Ouais, 14 minutes. Donc, il nous reste, en gros, vu que là, il y a encore 4 minutes, il nous reste 2 minutes d'épisode. Donc, le temps d'aller... récolter notre petit champ. Je croyais que c'était la montée, mais en fait pas du tout. La montée est ici. Hop, on va pouvoir régénérer là avec la saturation. Allez encore. Non, pas jusqu'au bout. Ah. Non, pas jusqu'au bout. Ah si, jusqu'au bout, c'est bon. Bon, on est full vie, c'est cool. Ça m'enlève un petit fardeau. Mais bon, on va se mettre full fer parce que c'est quand même... Ah, je vais réussir à le casser. C'est quand même un peu relou de devoir rester comme ça, là, et de se faire défoncer. En même temps, j'ai pas fait trop attention. Hein. Je pensais que j'entendais encore plein de bruit. Je sais pas pourquoi je suis allé quand même. Bon, vous savez, des fois, on fait des trucs pas très intelligents. En voici la preuve. Alors, là, il me faut 3 argiles durcies rouges. Donc, j'ai déjà 8 argiles durcies. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça c'est rouge aussi. Il me faut pas mal de trucs rouges. Donc je vais me faire de l'argile durcie rouge. Et après je regarderai entre les épisodes si jamais je peux pas... Ah mais j'ai oublié combien de temps il nous restait d'épisodes. Ah oui, il nous restait 2 minutes. Donc ouais, en gros c'est bientôt la fin quoi. Hop. Alors je vais déposer un peu mes affaires. Alors ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout pas, ça on s'en fout, ça on garde, ça on va le garder puisque notre plastron il va bientôt casser. Ça, on va faire ça, 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 ça on garde. Je vais ramasser ça du coup, voilà. Hop, on va replanter un petit peu. Oh du coup j'ai 43 os, j'avais pas vu. Amazing. Là les gens, on peut se terminer notre petit champ, je remets mon casque vite fait, hop. On va se terminer notre champ avant la fin de l'épisode. Hop. Mais pourquoi on convertit pas... Enfin, je sais pas si c'est très utile de tout reconvertir. On va quand même garder un peu de dos. Hop. On va faire ça, ça, ça. Comme ça, on garde les graines. Voilà. Hop, on met tout au max. Faut que je fasse gaffe parce qu'il peut y avoir des mobs, là. Un petit creeper. Non, c'est bon. Petit creeper qui arrive par derrière, ça arrive souvent ça. Hop. Donc voilà, ça c'est bon. On peut continuer ça. Du coup on craftera notre pain au prochain épisode et peut-être qu'on aura des coffres du coup, mais je crois pas qu'on pourra débloquer des coffres. Ça m'étonnerait beaucoup parce que j'ai pas vu de coffre très très proche. Donc à mon avis non. Hop. Ouais non, là on pourra rien débloquer parce que le bloc est à moitié, j'ai déjà ouvert tous les coffres. À moitié, donc cet achievement ne nous servira à rien. Hop. Non, on n'a toujours pas assez. On va encore faire de la bonne mille. Pour pouvoir finir ce champ,
Au moins on aura pas mal de blé. Voilà, avec 12 graines ça devrait suffire. Ouais, juste. Attendez, là on peut en mettre là. Et voilà. Là au moins on a tout bien optimisé. On a notre champ qui est en cours. Je vais casser cet arbre. Bon, je déborde un peu sur l'épisode. Et d'ici le prochain épisode aussi, bah, je referai pousser un arbre et je rangerai un peu mes objets, parce que là, j'en ai beaucoup trop sur moi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. Allez, bye bye.